Eh bien salut à tous, c'est Zozo et on se trouve pour la suite de Monster Hunter World Iceborne devant ce beau paysage et vous voyez, oh, il y a Agita mais il y a aussi Sylvos. J'ai craqué. Il a acheté l'extension alors qu'il voulait pas l'acheter de base. C'est vrai. Ouais. Et vous voyez cette magnifique vue en mode photo en plus. Panorama voluptueux. C'est chez moi. On peut zoomer. On peut bien zoomer sur la gueule de Sylvos, il n'y a pas de pixels. Hein. Aucune ride, le Sylvos. Il est jeune. Aucune ride. Il est jeune. Bon, on va lancer la quête. Parce que les deux Zigoto vont en vouloir rejoindre. Après. Tiens. Hein ? Pourquoi tu siffles ? Au revoir. Faut partir. Il est parti, Zozo. Ah ! Mais oui, parce qu'il faut la cinématique. Pour ça. Ok. C'est normal. C'est normal. Vous pourrez rejoindre après, vous. Tu feras un gros plan sur mon personnage. Il y a quelqu'un qui a demandé de voir mon personnage. Comme vous voyez pas bien. Une grosse photo sur ta gueule. Ouais, voilà. Je me mettrai à côté des singes, tiens. C'est ça. À côté des mini toupas. Avec tes frères. Moi, j'ai mangé ma petite surprise du chef. Ah, c'est bon. Attends, moi, est-ce que j'ai mangé ? Moi, j'ai pas mangé. Ok. On va tout faire en attendant. Ah ouais. J'avais aucun jeu à jouer. Du coup, je me suis dit, faut que je m'achète ce jeu. Du coup, voilà. Je pouvais pas passer. Il a craqué. J'aurais pas le temps. Hein. J'aurais pas le temps. Et finalement. Bah... Ouais, finalement, il fallait que j'y accorde du temps. Je pouvais pas laisser passer ça finalement. oui, bien sûr. Ah, cinématique. Ok. De retour ? Tant mieux. Reprenons la chasse. Oh, il nous a endormis et il est parti. Vous pouvez rejoindre, hein, c'est bon. Ok. Moi, j'ai une petite danse en arrière. Palumu Belladone. Ne pas confondre avec le personnage de Pokémon. Hein. Lequel ? Le détective, là, tu sais. Ah oui. Belladonis. C'est toujours, là. Ça. T'es dans lequel ? Dans. Là, il est dans beaucoup, hein. Ah, il est dans le noir. Et dans Noir et Blanc et dans... La première apparition, je crois que c'est dans Diamant et Perle, non ? Oh, mais moi, je parlais de versions qui sont pas fous. Mais non, mais les autres versions aussi, tu les as fait. La Rosa, tu les as fait, Rosa. Ruby Saphir, tout ça, là. Tu les as fait. Ouais, mais... Après, c'est des brefs apparitions qu'il fait. Oui. Et dans Pokémon Soleil et Lune, il apparaît à la fin. Oui, c'est lui qui fait les Ultra Chimères. Oui, je crois bien. J'ai fait que Tokoriko et c'est tout. J'ai pas été plus loin. T'as fait les trucs de chambre ? Non. Pokémon, c'était mieux avant, hein. Moi je suis un vieux. Hein. Il pouvait pas commencer pixelisé. Du coup, il m'a dit qu'il y a des nouvelles coupes de cheveux, des nouveaux... Oui, ouais. Tu pourras modifier ton apparence, tu auras des nouvelles coupes de cheveux. En fait, pour une coupe de cheveux, t'as plusieurs types. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai mis une queue de cheval sur le côté qui est encore plus mignonne. Et tu peux créer aussi ton personnage avec un ticket de création de personnage et de charme. Okay. Il est plutôt stylé celui-là, franchement, il est beau. Je me ferai ça pour le prochain épisode alors. Tout à fait. Toute nouvelle coupe. Il y a off avec. Oh, mais là, je vais pas dire le nom. C'est le monstre que j'attends que tu se voir. Mais c'est le qui. Il est où ? Ouais. C'est le Shranon. C'est le Shranon. Désert. Mais là, où il y a le trou du. Ah, mais y'a pas de. Oh. On ira à pied. Y'a pas de camp. Bien joué, ça marche, mes petits. Je vais pas le ramasser de temps en temps, Sylvos, puisque comme c'est dur à mettre, t'as des nouvelles choses. Il a endormi le barreau. Tu m'as dit quoi, J?
Mais pas de ramasser des choses, hein. Comme si tu remettre les objets. Ah oui, 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 t'inquiète. Il va où? Bella don don don. Hey, descends de là, toi. Paolo mou, Paolo mou, Bella don. Je vois ton cul. Il arrive. Merci. Il arrive sur vous, je crois. Non, rien. Arrête, je suis rempli de froufrou. Tu peux pas voir mon cul. T'as pas cul, on dit fessier. J'avoue, ouais. J'aurais aimé un bon fessier comme ça. J'aurais croqué dedans. Hein? Bon fessier. Yam yam. Oula. Il est pas. Et gonflé lui. Ah, lui il endort du coup. Ouais. C'est ce que j'ai cru voir. C'est ça. T'as déjà jumpé dessus avec les pierres? Non, pas pierre, mais j'ai jumpé dessus. Hein. Hey, tape-moi dedans, tape-moi dedans. Ah! Et Grimald qui me retourne. Pas les gamins qui me tuent. Mais si, toujours eux. Allez, tiens. Y'avait ton grappin qui arrivait sur ma gueule. Aïe. Le grappin. Pas dodo, pas dodo. Ça dure longtemps son nuage. Ah, c'est un bon nuage. Eh bon. Excuse-moi, mais je vais tuer tes copains, les chats. Parce que, Ils s'en ont mis lui-même! Ah ouais? Non! 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 Ah! Je suis bugué! What the fuck? Qu'est-ce qui m'arrive? Ah! Les gars, je vais te coincer. Je vais poser des bombes. Oh, mais c'est là, c'était coincé. Pas grave, je mettais des bombes sur ce boss. Mais vous m'avez vu quand j'ai. Il a paralysé! De toute façon, non, ça fait, il ne mourira jamais. Ouais, vous ne mourirez jamais. Vous allez voir, je ne mourirai jamais. Si je meurs, je m'engage. Ah, je sais pas quoi. Je sens, je sais pas. À te raser la tête. Non. Non. Pourquoi pas? Non, non, non. Pourquoi pas? En vidéo en plus. Vidéo rasage de tête. Le mec a remis sa GoPro quoi. Je rase ma tête, ça tourne mal. Je rase ma tête pendant 10 heures. 10 heures où je me regarde raser ma tête. Il est en train de souffrir par contre celui-là. Ouais. Je prends les objets hein. Non, moi aussi du coup. Parce que l'autre il laissait pas garer son monstre. J'avoue. Bah, sur le parking du Leclerc là. C'est plus casino ici je crois. Bonjour, vous avez demandé la location de voiture pour un déménagement. On a un palomou, Belladone si vous voulez. Ok. Un peu bouillant. Cuir synthétique noir. Très beau. Un peu cher. Mais... Avec des charges de 3 tonnes. Car Belladone, donne, donne. Il dort un coup, oui, non, il est paralysé, je crois. Oui, il dort. Ah, ok. Voilà. Oui, il dormait d'ailleurs. Je sais non plus. Tu sais, qu'est-ce qu'il est moche. Il y a vraiment une sale tête de moche. Et là, ça fait plus en pire en fait. Tu sais, on dirait les chats qui ont pas de poils. C'est, j'aime pas. Ah ouais, un petit peu, ouais, c'est vrai. Bah, de toute façon, les chats qui ont pas de poils, les chats sphinx, ça ressemble à des rats. Donc, ouais. Ah, mais ça a son style, hein. Oui. Rien n'est moche. Tout est beau dans la nature. Oh, je suis beau moi. Ça dépend des points de vue. je suis un beau garçon. T'es mignon mais t'es un tout petit breton. Je suis gentil en plus. Oh, y'a Baba. Y'a Baba. Il manque à l'endormir. Non. Non. S'il reste à l'endormir. Oh non, pas moi non plus. Ça fait deux fois qu'il s'endort. Zozo, réveille-moi. Zozo. Hein. T'es qui? Oh, non. Je peux pas te réveiller. Ah. En plus, je me fais prendre en photo. Aïe. J'ai pris des couteaux de chat, wesh. Alors. Et moi, ils sont pas amis avec moi dans cette partie, c'est pour ça. Eh, c'est chiant, hein. T'inquiète, t'as amis avec. Et toc. Et toc. T'as qu'à avoir des copains. Mais à chaque fois, tu pars. Pas l'éteigne.
Oh là, contre là. Ça a été sacrément sa fesse, hein. Oh yeah. Ok, esquive. T'es où? Se casse. Casse la barre. Attends, tu veux jouer le malin toi? Vas-y. Voilà. Et voilà, c'est bon. Eh, hey, tu m'as empêché de passer. Ça mettra plus. Mais non, t'es passé. Bon. Et là, y a des poissons pour les pêcheurs d'extrêmes. Non, tu peux pas les pêcher, je vais les tuer. Bonjour, je suis Jeremy Wade. Je suis ici, boss Wade. Biologiste et pêcheur de l'extrême. Pêcheur d'extrême. Et il est revenu. Il aspire l'âme, les âmes. Il a fumé la chicha. Âme. Oh, j'ai paralysé le Ganju, le Ganju. Je vais l'appeler le pao, le mouchi. C'est une méthode de pêche. Alors non, tu jettes des somnifères non dans l'eau. Moi aussi je dors. Moi aussi. Ah, tu lances des somnifères aïe dans l'eau. Oula, c'est le boss. Go sur Sylvos, go sur Sylvos. Je t'emmerde. Cours, cours, viens, 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 viens. Oh, 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 oh. Je ne mourrai pas. J'ai voulu le parrain, en plus j'ai voulu le parrain avec le crapaud, mais il est passé. Il est parti. Passé à la forêt, je crois. Eh, vous allez voir, je vais tenir ce let's play, je ne mourirai pas. Il est pas dans la forêt, hein, il est avec moi. Hein. Ah. Il est dans là. Et bah, c'est où le monstre? Ouais. Ouais, d'accord. Ah oui, j'ai changé d'arme aussi au passage. Vous avez dû remarquer avec le tranchant blanc. J'ai fait une arme en minerai là. Marteau minerai? Ouais. Bah, le tranchant en blanc, il a pas de tranchant en vert, c'est plus rentable. Bah, c'est clair que. Tranchant vers l'autre qu'il y avait de base. Oui. Putain. Ton marteau en jaune. Tu as muré que deux fois. Il était même pas plus. Est-ce qu'il dit Loïc? Je peux faire un autre marteau. T'inquiète pas Loïc, c'est juste mon perso secondaire. Sinon, mon personnage, j'ai des vraies armes et tout. C'est que bah. On a fait vite quoi. Non. Non plus. Oh là 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 là. Ah, c'est des attaques qu'on a pas vu ça. Aïe aïe, je dors. Ah, non, moi, faut que je dors. Non, on dort tous. Au dodo. Non, je suis réveillé moi. Je vais trop bien mettre. Après, tu peux dégager la cible. Ah, Steven, par contre, il dort lui. Ah, c'est bon. C'est quoi non, ça encore? Ramène-le pas. Je dors avec le Kelby, tiens, allez hop. Mais il s'amuse avec sa fumée, wesh. Le Kelby, ça vient même avant moi. Putain, mais on dirait un ballon de baudruche qui est dans tous les sens. Il est vénère, wesh. C'est les ballons qui vont. Pareil. Ça suffit. Il faut tomber. Ajime. Ajime. Oh non, mais encore. Ah zut. Okay. Il y a des cailloux. Il y a des cailloux. Aïe. Wow, 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 wow. Il a éclaté! Il va toucher en même temps, il m'a mis des dégâts. Réveillez-moi, wesh! Mais on peut pas te réveiller, moi je peux pas te réveiller avec la longue sword. Hein. Impossible. Il m'a endormi en plus! Tape sur boss! Merci. Non, rien. Pour une fois que je suis content quand tu me tapes. J'avoue. J'ai mis un piège! J'ai regardez mis un les autres piège. Épisodes, c'est toujours marrant. Pourquoi tu le tapes? Arrête! C'est moi la tête! Eh non, il est pas capturable, si boss. T'as de la vie ce truc. Dommage. Oh, c'est pas Final Fantasy, hein. C'est clair, c'est pas Final Fantasy. C'est pas frontière. C'est vrai que. Hop. Wow. Tiens, dans ta tête. What the fuck. Vas-y, suis-moi, vas-y, top. Je vois plus rien. C'est un quintaguette, quand on veut plus rien c'est bon signe. Il a blessé. C'est vrai qu'il est obligé de l'arracher. Je regarde derrière sa gueule, elle a arraché. C'est dégueulasse comme il est.
On dirait il a des vergetures sur son col là. C'est dégueulasse. Vergetures. Il s'envole, des vergetures. Ouais, des vergetures. Des vergetures. Je sais plus si on dit vergetures ou vergetures. Vergetures. Est-ce que t'as des vergetures toi? Ah non. Ah non. Non, voilà. Moi j'ai un bon pom-pom. Hein. Parce que t'es pas tombé en scène encore. Ah oui. Quand tu seras enceinte, ce sera, t'auras des vergetures. Pas forcément, des fois il y a des vergetures. Mais ouais, t'as fait qu'est-ce qu'il fait, hein. Monsieur. Arrête ça! C'est moche! Elles sont enceintes, mais ça se voit pas, du coup, elles sont rien. Ouais. Et il y a refaire. Si une femme a une vergeture, il faut la quitter. Hein, quoi? Je rigole. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il. Il m'énerve celui-là, il c'est le monstre chicha, comme je l'appelle. C'est un monstre qui se trouve une cigarette, wesh. Il nous passe un tabac! Lol! Faites pas comme le palo Belladone. Arrêtez de fumer avant que ça devienne grand. Est-ce que vous allez cracher de la fumée comme ça? Rien qu'en parlant? Non! Oup. On voit même pas la différence entre le truc que. Putain, il m'a craché dessus comme une racaille de cité. Mais m'étonne pas. L'expérience qui parle. Il habite à Paris. Dans le 93 pour être plus précis. Ça arrive tous les jours. Tu sais là où il y a les voitures qui brillent. Parce qu'elles crament. Les voitures chaillent. Ah oui, les poubelles prennent feu. Oui, je vais s'accrocher sur le bus pour pouvoir pas payer leur ticket. En dessous du bus. Là où t'as des chefs dans le RER. C'est un endroit à visiter. Pas mal de spectacles. Ah bah franchement il y a tous les jours je pense à Paris. Ouais, on a Miss Jirachi qui vient dans notre ville. Et la Miss Jirachi regarde la vidéo, va se taper. Coucou. Ah, Simos m'a tapé. Simos. T'inquiète, je tape plus. On peut te taper. Mais, t'as plus, même taper ouais. On peut te taper quand tu fais dans le jeu. Je pense qu'il va mourir. Ouais, genre dans 3 secondes. 1 2 Je peux pas qu'il bouge. 2 Pas de taille. Donc et on se dit. Et 3 Suc. Ce que j'avais dit, dans 3 secondes il va boire. Oh, j'ai paralysé. Je vais l'avoir. Et là on le capture maintenant, c'est les mecs qui. Ils l'ont bien mouché. Ils ont fait peur dans la. Ils ont fait peur. Et ouais. Non, il est mort. On capture un. Gigi guys. Gigi bravo. Ah merci hein. Oh je pense qu'on aura le temps de faire le deuxième. Oh ouais tranquille. Bah oui. 19 minutes, ça va, 20 minutes à peu près. Bah, toi si c'est possible, tu vas devoir lancer la quête que je passe la cinématique. C'est vrai. Ouais. Mais pour ça que j'ai ma cinématique, il y aura le temps. Ouais et puis nous rejoins après. Pas perdre de temps. Ouais un truc rare, une gemme wyvern. Ouais puis on fait ça, tu pars en quête. Lui aussi, puis il nous rejoint, il quitte et il nous rejoint tout de suite. J'ai une gemme Weaver! Attrapez les geckos! Gekoga! Satoshi Gekoga! Koga! Joli! Ah, j'avais jamais ramassé le champignon bleu dans, dans cette partie, t'imagines? C'est ça, toi? J'ai eu la notice ouais. Comme quoi ça montre c'est quoi des champignons bleus. Bravo, nouveau découverte! Ah, c'est la tâche, hein? Regardez mon argent, attends, il est où mon argent? Où est-ce qu'on met l'argent déjà? Dans ma poche! Tu fais juste option, il est en haut à droite. Ouais, mais non, tu le vois. Bah, je suis très pauvre, hein. De toute façon, quand je suis monté de rang du Xenogiva, je crois que c'était. Rang 16? Et bah, je suis monté rang 17. Oh, c'est quoi ça? Par vent et bénédiction. Bon, c'est bien pour un soutien, ça. Si j'avais un marteau. Je cognerai le jour, je cognerai la nuit, c'est Zozo qui l'a dit. C'est vrai? Eh oui. Je l'ai dit? Je suis fort en rime, hein. Je suis nul en chant, mais je suis fort en rime. Et attention, hein, attention, parce qu'on a une nouvelle encore plus. Oh,
Salut, c'est on a encore une bonne nouvelle. Parce que Kaisu a pris le jeu sur PS4, donc peut-être que vous aurez peut-être la full DC en épisode. Oula, mais ça reste à c'est voir. Pas arrivé depuis MH Ryu. Ça reste à voir encore. Dream Channel, hein, Dream, donc ça reste des rêves. Après, il doit tout refaire, donc. C'est ça. De rentrer. Parce que il lui a fallu 10 heures à Zozo, mais là, on parle de Kaisoul. On parle de Kaisoul. Il faut 10 mois, lui. Je me charge des rapports et analyses. Pourquoi ça m'emmerde à chaque fois ici? C'est horrible. Ouais, aussi, ça t'emmène à Astera. Ça te remet à Astera. Moi, ça me remet à Astra à chaque fois. Pareil aussi. Moi aussi. Bon, du coup, j'en saquette aussi. Comme ça, je vais voir la schématique. Tout à fait, tout à fait. Console. Hop. Là, vous allez voir une autre sous-espèce. D'un monstre qui servait à rien dans MH World, maintenant qu'il sert un peu plus quoi. Ah, il faut que tu zoomes sur moi toi. Oui, on va le faire là. Pendant le chargement de la quête. J'arrive, grand sale. Bah j'arrive aussi. Parfois obtenir un objet lorsque vous examinez les coffrets d'un monstre. Écofacteur d'un monstre. Ah bon. Parce qu'on en a au shop des écofacts, on peut avoir un objet. Oui. Effectivement. Jamais fait attention. Ça, il faut les ramasser. Vous voyez, c'est le Pukei. Le Pukei. C'est un coquin. J'arrive. On va manger, hop. 8 plus 50, endurance plus 50, la base. J'ai un boost de vie, ouais, j'ai 180 de vie en vrai, j'ai 30 de vie de plus. Je suis là! Attends, je me stuff et je te regarde. Ah. Il se trouve dans quelle zone ce fameux Poké Poké? Spoil pas. Justement, je fais des trucs comme. Eh, mais spoil pas pour nous! Ah non, vous en faites pas. Pour moi. Je cherche. Qu'est-ce que tu fais, Agi? Aïe! Et y'a ça aussi sinon. Vas-y, j'y mets-toi devant moi. Ok. Hop. Et si mon chat. Mais regarde le zozo. Je sais pas pourquoi regarde ce côté. Attends. Kawaii desu. Avec ses chimelles. Qu'est-ce qu'ils disent? Attends, regarde tes jumelles. Fermez les yeux quand j'ai pris la photo. Ah bah recommence. Mathias tes jumelles, attends, je vais faire un truc. Je redécouvre la zone, moi. Attends. Voilà, vous la voyez, Agita, c'est bon. Ne bouge pas. Comment t'actives le jumel? C'est... Option L1, c'est ça? L1, option. Voilà. Le pire, c'est qu'on peut se déplacer avec les jumelles, regarde. Ouais, vas-y, lance. Voilà, je suis mignonne, hein. Les personnages sont toujours mignons. Je veux quitter. Parce qu'ils ont trouvé mon personnage très très mignon sur Dragon Quest Builders. Ah voilà, maintenant vous pouvez le voir. Et en plus j'ai pris en photo, donc celui-là qui veut la photo, c'est 2€. Tout un tipeur, tu sais. Pour ça, photo de Hachita, 2€. Ah, ça y est, je suis sur la piste. Ne dis rien. Non, je ne dis rien. Je suis sur la piste. Si vous, c'est le roi des gaffes. C'est pas vrai. Un peu comme Vincent. Hein. Je connais des copains italiens. Ah. Eh, non. C'était magique ça. Ah, c'est déjà cinéma. Ouais. Bon, bah, va falloir couper au montage. Hein. Sacré Sivos. Ah, c'est très sensu. Enfin, tu verras ça. Disons qu'on a une cinématique très sensuelle. Faut pas avoir l'esprit mal placé. Y'a que toi qui a l'esprit mal placé. Oh non, mais quand vous allez voir la cinématique, faut là, pas moi, avoir l'esprit vu, mal hein. placé. On l'a déjà vu, mais c'est pour les viewers. On va passer dans la grotte. Ok, c'est bon, allez, je retourne au QG. Ouais. Hop. Ah, vous avez qu'à lancer au pire, je vous rejoins dans la quête.
Mais oui. Ah, bah, moi j'attends. D'accord. La cinématique elle passe. Attends, il attend la cinématique gamine. Ok. Rejoins-moi pour un petit bain de pied au pire. Ah non, c'est pas là, c'est vrai. D'accord. Je vous rejoins, cher Agita. Attends, je me dénude quand même. Voilà. Dénude-toi. Ah, bah, si, il est mon personnage, j'aime bien moi. Attention, cinématique. Et voilà, le Pukai Pukai Korai. Vous pouvez rejoindre les amis. Oui, pas de problème. Je suis prends la carte. Il est sur ça, en train de pomper le... L'autre jour, ma femme est allée voir le pompiste. Il a fait, je vous fais le plein. Hop. Bien joué la cinquième. Cependant... que l'étoile de Saphir vous accompagne. Et vous guide. Il a un peu la tête au sol, mon dans le sol, mon copain. Enfin... Nous te faisons confiance, chasseuse. Avec toi, je sais qu'on peut y arriver. Putain, le Tizi, il m'a pris en photo quand j'étais en vol. Ah, il a mis le flash. Ouais, je vais vous monter sur le monstre et ça fait... Tchac ah. Une chix. La diffuse attaque est ajustée. Je suis dessus! Maintiens-le! Oh putain! Les savants composent que 30% de la troisième fiote. Faut jamais! Pas faire comme Ryozo, hein! Ryozo il a plié une fois, mais faut pas quoi! J'arrive! Bon. C'est vrai que les temps de chargement sont quand même très longs maintenant sur cette nouvelle extension. Bah ouais, y'a plus de trucs à charger. Oui. Y'a quand même plus de 70 gigas. Hop, allez, let's go. C'est mon petit que je toucherai la pelote. On m'a craché dessus. Encore un bon cycle. Pas des besoins là. J'y vais. Mais bon, je suis en train de lécher le mur. Il va se ressourcer. La mousse. Il est là. Il crache sur la mousse. Il pense aux petits acariens et tout qui habitent dedans. Ou aux tardigrades aussi. Franchement, il a des belles couleurs. Ça va qu'elle est trop marrante. On dirait le. Tu sais le Pokémon avec le gros truc au derrière là, je sais plus. Dardario ? Non, le nouveau là. Ultra Chimère, la violette. Lui. Ah, ça me dit quelque chose, oui. Polarisé. Tu parles de Mouscouto ? Non. Violet, Mouscouto est pas violet. Ah, mais je crois, moi je connais plus. C'est là que Sacha est là. Je crois que c'est Vellini. Ouais, un truc genre. Volcanta. Ah, il devient tout rouge. Bombe. Aïe. Bombe. Pas prévu ça. What the fuck. Oula. C'est quoi qui m'a fait trembler? Je pense rien, mais arrête de faire péter tout rouge. C'est pas moi. Je vais continuer, moi aussi, hein, tu vois. Attends, j'étais en train d'utiliser ma backup. J'ai plus de cap du coup. Terroriste. Tu m'as mis au défi. Hein. Ah. Il y a toi qui s'y met.
Eh, je l'avais fait fuir le pauvre. Le gardien, elle est passée comme ça, oui. Ah, il a rage quitte maintenant. C'est pas le monstre qui me l'a dézigouillé, c'est moi. Putain, vous. Mais vous aussi. Attends, regarde Zozo. J'ai appelé un copain. Copain. C'est un copain qui est venu. Oui, là. Viens. Hop. Moi, je l'ai pas. Ah, je l'ai pas, peut-être que j'ai pas parlé. Allez, on y va. C'est quoi, si je peux tuer ton copain? Ah non. Ah, tu peux pas le tuer. Alors, on va chercher le monstre. Il est où le monstre? Et c'est un peu vite. C'est un peu vite. Ah oui, regarde. Il est où le monstre? Il est là-haut. C'est trop bien, faut que je fasse ton truc. Ah, il sort des choses. Oui, bah juste devant. Ah, par contre, ce qui est assez embêtant, je sais pas si on peut les activer, c'est que dès qu'il y a des traces ou une ressource, ça s'arrête. Il faut pas les destinations. À définir la destination du monstre. Ouais. Des fois, on se demande qu'est-ce qu'il fait le monstre. Il a l'air perturbé. Mais je pense qu'il est un peu perturbé vu sa gueule. On a dit qu'on ne jugeait pas. Et là, en même temps, c'est un rond. Ah, quoi que, on peut juger finalement. On va ressentir j'aime pas par ma faute. Ah, y a humour. Si vous êtes, hein. Si vous êtes racaille et roux en plus, là, c'est pas bon. C'est un rond qui nous crache dessus. Ah, le flash. Y'a le zizi yaku là. Il fait chier sur le monstre là. Il vient, il flash et après il se barre. J'ai trop envie de lui couper la queue. J'ai trop envie de lui couper la queue. Ça donne trop envie. On peut, hein, t'es pas, je vais essayer de le faire. Tu vois le gros truc là, tu vois que ça va. Il va y avoir du pu quand tu vas le couper. Putain de tumeur. Un gros dégoulis vert blanchâtre. Une putain de tumeur. Le pauvre. Comment ça critique et tout. Pas pouqué pouqué ouais. Ça ressemble à un crabe. Donc maintenant les gens qui mangeront du crabe. On va faire qu'il va y avoir du puits. Tu déchires le crabe. Allez, coupe-toi. Merde, tu gonflais le mal. Ah, mais ouais, j'arrête, tu peux tourner. Oh, je vais lui couper quand t'avais gonflé. Ça y est, paf. Quand le pauvre, il souffre. Putain, mais elle est solide sa queue. Je sais pas si on peut le prendre. Si. Si, je l'avais vu, tu l'as fait. Oui. Oh, il est où? Bien vu. Il ne bougera pas. Et regonfle ta queue. Regonfle ta queue. Il faut de l'eau pour ça. Il n'y en a pas. Il y a rien, il rempart, il rempart. Il y a même petites empreintes. Too late. Hop, du coup il monte à l'étage là-haut. Ok. Oh, j'aurais dû prendre le scarabée, putain, j'ai plus l'habitude. Le monstre. Il va monter, il va pas monter. Allez, c'est parti. On va voir. Il monte ce truc. On va voir. Ah, il saute, il fait un grand saut. Voilà. Stylé. J'ai vu, t'inquiète hein. J'ai regardé pour voir mais... Je suis arrivé en premier du coup. Mais je t'en déguisé moi de toute façon. Il est encore là lui. Ça a quand même des belles couleurs. C'est un petit dégradé rouge au, à l'orange. À la mode. Putain. Oh mais il est pas flash ici. T'as déjà flashé frère. Pars. Voilà. Ah, allez, gonfle ta queue. Va chercher parce de l'eau. Il avait raté. Il avait raté le flash, avec le truc personne, il a fait putain. Allez, gonfle ta queue, gonfle ta queue, gonfle ta queue. Aïe. Tapé. C'est un tel comme le film dinosaure, vas-y, creuse pour trouver de l'eau. Oui. Ça y est. Ah non, putain. Ah non, c'est juste craché. Rrrr.
C'est vrai qu'elle résiste quand même, hein. T'as beaucoup dessus. Après ça 3, 3 j'ai c'est plus 100 000 énormément résistant. Oh oui, ça y est elle est grosse. Ça y est elle est grosse. Faut la couper la grosse. La 4 les monstres pire que longtemps la 4. Parce que à 2 ça va encore. À 2 ouais ça va. Solo bah facile. Tout sur la queue les gars. À 2 c'est pas facile mais c'est quand même, voilà, moins de vie tu peux stun plus facilement. Allez on y croit. On y croit, je vais la couper ce queue. Attention. Ça fait du bien, hein. ça rafraîchit. C'est moi, je comprends pourquoi t'as dit ça. Wow. T'es guêpe. Ah bah, et donc, il sait bien le manier, hein. Ah bah, il a tout dégagé, là. Tout est sorti. Ah mince, je suis dessus, par contre, j'ai... Allez, allez! Vite, Agi! Il faut en profiter! Mais de toute façon, il va tomber. On profite aussi. Allez, la queue! Je te laisse pas faire! Il y a des bons gros coups chargés là-dedans. Oui! Oh non! Tout le plus est parti ici. Avant! Arrête ici. Non, c'est juste rapide ici. Dommage. Ça, t'es tellement réaliste. Tu vois le gros. C'est un mâle ou une femelle puisqu'il perd les os? Ah ah! T'as les deux. Et dire quand on est petit, quand ça dit on perd les os, on croit que c'est des os quoi. L'os. Tu fais, ah mais pourquoi elle perd du coup? Tu comprends pas du coup. Et il est dur à ce que ça. Eh bon, comme ça, il est quand même bien résistant. Il revient l'autre. Pas le temps de toucher. Il est quand même bien résistant, hein. C'est penché. Il avait voulu flasher le monstre. Il part vers le sud. Ah non, vers le nord. C'est à gauche. Vers l'ouest. C'est à la côte. Vers l'ouest. Mais plus par là. Là où va le Titi. Là où je vais. Ouais, le Titi le suit en fait. Le Titi, le Dizi. Ah bah y'a le Paolomo en plus. Génial. C'est très amusant. De monstre. On fait que le David Joe. Que ça va là. Oh là là. Ouais, j'ai fermé des glissades. Ça, je fais le Tsubojo Jada. Tout doux. Tout doux, j'appelle mon monstre. Coupez la tête. Soumets la balance. Il y a une gueule d'en plus de la meuf qui pète. Oui, c'est pour ça que je suis parti. Elle a la gueule de la reine. Regarde. Wouah, pas du tout. Et on dit fille. Pardon. Eh oui. Espèce de vieux. Eh oui. Espèce de mof. Mophobe. T'es mophobe. Sougue la babada. Bon, dis donc, il est très très résistant, hein. Ah, enfin. Petit objet. Okay. Effectivement. Descends. Effectivement. Ah cool, il est revenu. C'est quelqu'un pour récupérer. Pas moi, je vais le faire juste là. Voilà. Zut. Je voulais mettre un piège mais du coup ça voulait pas comme t'as dit. Bien, je tiens. Eh ouais. Gigi guy. Nyoho. Gigi. C'est pas Olomou. Allez, on tape pas Olomou en attendant. T'en rappelé mon monstre. Fantastique. Ah mon monstre. Eh bien. Allez, on se casse. Oh, t'appelles pas Olomou. Allez, une petite cinématique normalement. Je sais pas où. C'est des poches déluge.
Un joyeux de merde, destruction. Entomologiste. Mitrailleur. Tiens, le mitrailleur est réalisé. Tir de mitraille. C'est quoi, tir de mitraille? Pour une fois, c'est les fronts sur la tête. Ok. Pas de cinématique, visiblement. Pour avoir retour. Pour une fois, vous aurez deux monstres en un épisode. C'est ça. De sous-espèces. En même temps, on va plus vite à 3 aussi. Non. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non. Parce que maintenant, t'as difficulté, t'as la vie à 2, t'as la vie à 3 et t'as la vie à 4. Je veux croire que je suis important, que j'ai été utile. Laisse-moi ce plaisir. Non. Cinématique. Non, c'est pas une cinématique, c'est ce commandant qui parle. C'est ça. David Ginola ou l'autre commandant? Bravo. David. Moi, j'appelle David parce que bon, on est quand même close. Et moi, je l'appelle Gino. Ok. Ce n'est pas une raison pour te reposer sur tes lauriers. Et maintenant, il faut aller à Celiana, sauf qu'on le fera. LOL. Le prochain épisode. Exactement. Donc, ce sera. Allez, je vous laisse le dernier mot pour Sivos. Oh, pour moi, l'honneur. Ok. Oh, le stress. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou un petit commentaire, ça nous fera très plaisir. Et on se donne donc rendez-vous très vite pour l'épisode numéro 5. C'est bien ça? Eh non. Si. Si, c'est ça. C'est pas drôle. Bravo, bref, bravo. Bisous. Bye tout le monde. Tchuss. Bye.